Salut à tous, c'est Dantan Bullet, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Dying Light, donc c'est l'épisode 16, je suis en compagnie de Buburn, de KX et de Gwen. D'ailleurs, KX est parti très loin. Bah ouais, je prends de l'avance. Ce qui n'est pas mal d'ailleurs, c'est une très bonne idée. En plus j'essaye de faire des trucs pour la roue des sous. Ouh là là. Non, vas-y, raccroche-toi. Non. Mon dieu, ça fait un trophée. Mon dieu. Non, c'est que je me suis cassé la gueule et je suis tombé en bas comme un trou du cul. Ah, il y a une caisse à récupérer pas loin là. Ah, il y a une mec qui s'est cassé la gueule. Moi, je me suis rattrapé, moi. Ah merde, comment tu fais pour te rattraper? Moi, bah, je relance le drapeau en studio en fait. Ah, d'accord, ok. Moi, je suis pas sérieux, ça y est, je crois qu'il était mort. Bon les gars, vous faites quoi? Vous traînez là? Ça fait un quart d'heure que je suis dans la porte. On fait la caisse. On récupère, il y a une caisse humanitaire en bas. Regardez, Yamakasi. Je me fais pas un Yamakasi. Sors d'où? Tiens, regarde, je te fais un Yamakasi là. Bon, attendez voir là, oui, personne. Oh merde. Attends, moi je grimpe tranquille, j'arrive. Ok, on y est. Ça va me faire des points. Je vais faire un lagon. Ouais, j'espère que t'as beaucoup de vie encore. Parce que je vais faire la donne là et je sens que je vais me planter beaucoup de fois. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Rendez-vous à l'appartement de Rupert. Faut qu'on appuie tous carré plein de fois sur la peluche rose. Ah bon? Bah oui. À un moment donné, ses yeux vont être rouges. Il sera pas content. Il y a des notes à récupérer aussi. Il y en a un sur une porte d'appartement et dans les appartements aussi, il y a des trucs. C'est mort. J'aime bien. Sur ce jeu, ma manette carrée était quasiment morte. Elle collait parce que j'avais fait tomber du coca dessus. Ah, il est pas content. Il est pas content. Oula, mais grand content. Non. Pourquoi tu recules? J'ai reculé là. Bon, ben voilà, je te suis. Je veux pas me tirer l'arnaque, je te jure. Ah, je l'ai déjà récupéré le plan. Moi aussi. Où le pas? Bah, là, à la place moi, je la le place vois, mais il est déjà pris. Il est là, sur le truc vert. Attention, ça a pété. Ouais, je l'ai. Il est là, le plan. KX. Tu l'as? Non. Ouais, enfin, je l'ai pris parce que je vois rien. Sur le truc vert, il y a rien. Mais si. Mais même moi, je l'ai pris et je le vois. Là, sur celui-là, ce truc vert, pas l'autre. Il est là, devant moi. Oui, là, t'as un dossier, là. Non, je vois rien. Oh là là, bon, bah, vas-y. Non, ouais, il n'y a pas de dossier pour moi. Tu as fait une capture, bah, si tu veux. Moi, je l'ai pris et je vois quand même le dossier, vu que c'est un historique. Ouais, moi, je l'ai pris et je le vois quand même, le dossier. Bah ouais. Qui es-tu? Bon, j'ai trouvé Harry Potter, les gars. Ah, Harry Potter. Oh! Je m'appelle Crane, je voudrais voir Rupert. Non, tu voudrais voir un armurier, et cet armurier s'appelle Rupert. D'accord. Je voudrais voir pour des modifications d'armes. Tu travailles pour Rice? Non. Ah, c'est déjà ça. Mais j'attends le retour de ma femme, Jasmine. Tant qu'elle sera pas là, je ne bouge pas d'ici. Ça fait longtemps qu'elle est partie? Non. Alors elle ne va sûrement pas revenir tout de suite. Et ces gosses-là, leurs parents, ils sont... morts, j'espère. Je n'ai qu'une peur, c'est qu'un jour, un des gamins regarde par la fenêtre et tombe nez à nez avec son père ou sa mère, transformé en zombie. Ce jour-là, je sais pas ce que je ferai. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité, plus ou moins. Qu'une force maléfique s'était emparée de la ville, et que j'étais un magicien qui pouvait les protéger.
Une sorte de jeu qui ne s'arrête jamais. Jasmine ferait ça mieux que moi. Je suis armurier, pas psychologue. Je me demande à quoi je joue avec ces bêtises. Tu t'en sors plutôt bien, je trouve. Pas franchement. Il y a une petite, Alia. Elle est diabétique et elle n'a plus d'insuline. Son taux de glycémie est horriblement élevé. Elle est déshydratée et complètement crevée. D'après Jasmine, si on ne lui trouve pas de l'insuline très vite, elle va tomber dans le coma et y rester. Et moi, je joue les magiciens. Et les gamins s'imaginent que je vais la guérir avec une potion magique. Il serait peut-être temps que je leur dise la vérité. La magie blanche, ça n'existe pas. La noire, par contre. Calme-toi, Rupert. Il y a une pharmacie en ville. Peut-être que je pourrais y trouver de l'insuline. Sérieusement ? Si tu fais ça, je t'en serai reconnaissant à vie. J'ai une radio. Si ma femme revient, je vais sans doute rentrer chez moi quelque temps. Mais si je pars, je te préviens. Ok. Y a rien d'autre à trouver par là ? Attendez, je vais regarder la carte, je vais voir la quête la plus proche. Le ministère a convaincu le reste du monde qu'il n'y a plus de temps. Non, il faut aller lui chercher l'insuline. Ouais, non, mais elle est pas, c'est une autre quête. Ça doit aider les ombres à faire passer un message vers l'extérieur. Du coup, attends, je vais regarder. La carte. Trouver Michael dans les échos. Chercher de l'insuline, bah ouais, bah on va faire ça comme ça. Ouais. Le remède, allez hop. Y en a un là. Et un là. Ah non, surtout pas. Et dès qu'ils sont partis à gauche. Dunton, nous on va à droite. Bon, ouais, on va, on va sur suite droite. Ouais. Ok. Maman mia, je suis tout seul, je suis tombé, m'aider. Moi je suis au sol, comme ça je peux pas tomber. Tout du moins pas plus bas. Après moi je vais faire Yama Tassi comme l'homme, mais moi j'ai fait comme ça sa gueule. Oh putain. Ah, y'a un truc à récupérer, Buburn, à droite, viens. Y'a une caisse devant nous. Je te rejoins. Ah, y'a une caisse là-bas. Bah, y'en a une, y'en a une tout droit et une à droite. Vas-y, on va se faire à droite. Viens. Oula, je suis cramé. Là, c'est des gens à aider là. Oula, ouais, mais non. Attends, y'a une caisse là-bas. Oui, non, mais je sais. Ah oui, vous m'aidez pas en fait, je me démerde. Si, on arrive. Bah non. Parce qu'il va finir. Oh la vache, il y a un géant en bas. Bah voilà. Voilà. Il y avait un géant en bas. Bon, ok. Bon, vous nous donnez quelque chose, vous ou pas? Ok, c'est bon. Allez, on va chercher la caisse. La caisse, elle est bien entourée. Ah ouais, je confirme. Oh, ils sont tous armés. Oh là là. Ouais, moi, c'est un de vie. Je parle quand je me casse la gueule, putain de jeu de vie. Ah mais moi je suis tout en haut, c'est pas ce délire. Il y en a un qui tire, là, je peux où il est. Ah oui, il est dedans. Il est là. La caisse est ouverte. Je vais chercher. Ok, bon, très bien. Ok, bon ben on va chercher le remède. Hein. Ouais.
Voilà, là. Je me suis cassé la gueule, il m'énerve ce mec. C'est quand même ça, un grappin. Alarme tombée, oh, tous les mordeurs du coin vont appliquer. Oh là là, je suis même pas arrivé que ça se... Ah, c'est moi qui ai déclenché l'alarme. Ça y est, je l'ai coupé. Ah, il y a une note. Attends, j'arrive. À l'extérieur. T'es où? Dedans, à l'intérieur, c'est pas ça le côté. Vas-y, avance, sur ta droite. Elle est où ta note? À ma gauche. Wow. Je me suis la porte derrière. Là, sur l'étagère, elle est pas là. C'est bon, j'ai vu. Bon, puis après, ce qu'on cherche, elle doit être dans un frigo. Quelque part dans le coin. Ah, quelqu'un l'a ramassé. Pas d'insuline ici. Ok, attends, il y a un truc bleu là qui se passe. Wow. Vous venez? Non, c'est que tu... c'est toi qui as mis un curseur. Non, mais il y a un truc bleu. Viens. Ah oui, il y a un survivant. Ah oui, là-bas. Moi, je sais pas que c'est une question humanitaire, c'est un survivant. Ouais, il a l'air assez loin. Hein. Non, il est là. Où il y a du monde. C'est le Junkers, il y a du monde autour. Ah non, c'est un survivant. J'entends tous les fusils à pompe se recharger. Ils se relèvent dans le feu, tout le monde. Oh, il y a un truc qui arrive là. Ça y est, il arrivera plus. Bon, allez, on va chercher l'autre truc. Ouais, laisse-le brûler. Vous. Ça doit être encore un garage à lever sur le côté. Je suis entré, mais pas de l'autre côté plutôt. Ouais, là par là. Il se tarde ici là. Oh putain, c'est pas possible ça. Ouais, c'est mieux. Ouais, je m'en occupe. Encore un autre là. Ah ouais, l'entrée va être là, je crois. Ah non, même pas. Si, c'est gelé l'entrée. Je suis en train de la crocheter. C'est bon. Voilà, ça arrive sur nous. Ah, referme la porte derrière nous. Voilà, c'est ça. C'est bon. J'aime pas du tout ta tenue, Kaix. À chaque fois, je confonds un peu avec un zombie. Roy, tu m'entends? C'est Crane. Une tenue de zombie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gamins dans la crèche royaume magique. T'étais au courant? Du tout. On pensait qu'il n'y avait personne là-bas. Ils ont besoin d'aide? Clairement, ouais. Bah, y'a un vieux pervers avec eux. Avec une grosse baguette. Je reste jusqu'à ce que quelqu'un arrive. Oui, avec une grosse baguette. En attendant, j'ai besoin d'insuline. Je suis à la pharmacie, mais y'en a plus. Tu pourrais regarder si l'ordinateur fonctionne. On doit pouvoir trouver qui a acheté l'insuline. Il leur fait le coup de la baguette toute petite qui devient toute grande. Merci, Troy. Et c'est la magie. Rupert, c'est Crane. Rien ici. C'est moi qui tire. Apparemment, un certain Crème Oskurt a acheté une grosse quantité d'insuline. Tu connais ce type? C'est le père d'Alia, Crème. L'insuline est peut-être encore chez eux. Leur adresse devrait se trouver sur le dessus. Je vais aller voir. Faudrait qu'on retire ton point bleu. Ouais, attends. C'est bon.
Enculé. Merde, c'est en hauteur. Wow! Fouiller l'appartement. Il faut passer par la fenêtre à l'intérieur. La fenêtre à l'intérieur? Ouais, là, regardez où je suis là. Ouais, c'est comment... Je crois, si je m'en rappelle bien. C'est comment y accéder le problème? Par en dessous? C'est ah, par en dessous? Ouais, par en dessous là, vous étiez juste avant. Ah, par contre, j'ai plus le grappin, j'attends qu'il se recharge. Pas besoin? J'ai pas. Ah, mais merde! Vous faites chier avec votre grappin, les gars? Ah, oh, faut tout escalader, du coup. Ça fait chier. Mais où est-ce que tu as trouvé toi, Wayne? Là, c'est là. J'ai laissé une lampe bleue là, vous la voyez la lampe bleue? En dessous, allez par terre, vous êtes trop. Ah oh, oui, en dessous. Ah ouais. Sautez dans la cour. Ouais, moi je peux pas, je sais pas. Oh là là. Bon, je ressors, mais c'est tout bête. Je vais ressortir là, suivez le point vert. Allez sur moi, le point vert. Arika, je pars chercher les médicaments d'Alia à la pharmacie. Je passerai ensuite à la pizzeria et j'irai récupérer Alia à la là ici, revenez sur vos pas. Pour 18h. C'est ici. Je t'aime, ma chérie. Allez, allez là. Non, mais je crois que vous emmerdez pas à monter. Il vient aller à la pharmacie, mais il va pas récupérer sa fille ensuite. Rupert, où se trouve la pizzeria Farhat? Quoi? L'adresse, donne-la-moi. Ah, mais il y a plein de trucs à prendre dans l'appart. On va te monter pour rien. Frigo, faut pas l'ouvrir comme ça. Je viens de savoir une note quelque part encore, récupère rien. Ouais, les gosses de la crèche, ils peuvent être là à la base. J'ai su là, il a du tout récupéré pour foutre ça là-bas. Bien sûr, bien d'où toi? Bah, j'ai ouvert la porte de l'autre côté et du coup, il a réussi à rentrer. Des gaz. Donc c'est bon, on a tout ce qu'il faut ici. Ah ouais, bon, on aurait pu passer par un autre chemin, hein. Je dis ça. Ah, je suis sûr que c'est fini. C'est pas un survivant. Bon. Non, attends, faut qu'on reparte par là-haut. Ah ouais. Ok. Ah ouais, vous êtes remonté, d'accord, très bien. À un moment donné, faut que tu t'y mettes, le grappin. Ouais, mais non, j'ai pas envie. D'accord. Wow. Ok, j'y suis. Comment vous ça? Passer par terre, faut aller par terre. Je m'entends bien dehors. On s'est réveillé. Gwen, elle part tranquille en marchant et un mec se réveille derrière. Oh, allez. On rapporte le truc ou on enchaîne sur d'autres quêtes secondaires avant? On rapporte un suivi de gosse là. Ok. Les enfants comptent sur nous. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis arrivé à la caisse. Enfin, j'ai sauvé un type, moi. Et... C'est gentil. Voilà. Et j'ai eu un trophée. J'aime bien, j'ai trouvé le père d'Alia dans le restaurant, il est mort, coup de chance. C'est super.
Ah oui, mais c'est pas là, je me trompe. Il était là, le vieux, tout à l'heure. Ouais, là, mais je me suis trompé. Défoncer le gosse. J'arrive pas à croire que t'aies réussi à en trouver. Elle va s'en sortir? Oui, avec ça, c'est bon, elle va s'en sortir. Je me charge d'Alia. Tu pourrais occuper les autres gosses pendant ce temps? C'est que j'ai pas mal de choses à faire. Va leur parler, c'est tout. Je leur ai dit que t'étais un grand guerrier, un chevalier, un truc du genre. Vraiment? Et ta femme, elle revient quand? Ça va aller, t'inquiète. J'en ai pas pour longtemps. Les enfants! Le guerrier héroïque est revenu avec une potion magique pour Alia. Il va rester avec vous pour vous protéger pendant que je m'occupe d'Alia. Eh, attends un peu. Ce ne sera pas long. Oh là là, il y aura plein de zombies qui vont arriver, qui vont sortir le port de tous les sens, je suis sûr. On a gagné, on fait du babysitting. Ouais, il a l'épée de Zelda celui-là aussi. C'est aussi une Zelda, quoi. Ah bah ils sont les gosses. Bah descends. Non, non, mais téléporte-toi au pire. Téléporte-toi au pire. Ok. Tu veux pas téléporter? Ça y est. Salut. Je connais toi. Non, c'était KX. Kadim, c'est chouette quand même. Bah non, il y avait une autre. J'ai un secret. Ah ouais? Je voulais sortir, moi aussi. C'est quoi ton secret? Je suis agent du GRE. Et toi? Tu pourrais me trouver des briques? C'est pas un secret, ça. Il y en a en bas, près du sous-sol. Et Monsieur Rupert a dit qu'on ne devait pas s'approcher du sous-sol. Sous aucune condition. Mais j'ai voulu aller voir. Et j'ai entendu un bruit effrayant. Et du coup, j'ai laissé tomber les briques que j'avais avec moi. Elles sont éparpillées un peu partout. Tu pourrais les récupérer? Ah, ça va être dur. Le mais sous-sol. Je veux bien essayer. Ouais, ça pue. Ah non, c'est facile. Vas-y, on le fait. Les sous-sols. Non, pas du tout. Mais c'est un truc en difficulté facile, donc on peut le faire. À mon avis, c'est pas compliqué. Faut chercher des briques. Une, et basta. Deux, ramasser toutes les briques. Hein. Oh. Pas le brick, c'est les petites briques carrées à la con. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Il doit y avoir un zombie qui traîne derrière une porte ou quoi. Ouais, il est là. Non, mais là, je vois pas la porte là. Non. Non, pas encore. Tout à l'heure, ouais, mais pas encore. Okay. Quoi, tout à l'heure, mais pas encore? Bon, là pour toi, Kadim. Moi, ouais, je crois qu'on peut y aller dans le sous-sol. Merci. Ouais, il y a une quête dans le sous-sol. Tu vas pas en parler à Rupert, hein? Si tu parles pas de mon secret, je dirai rien. Ton secret? Que tu travailles pour le... quoi déjà? Ok, motus et bouche cousue, Kadim. Mais je vais parler de ces bruits étranges à Rupert. Je les ai entendus aussi. Ok, bon, on va débrouiller du zombie, quoi. On va aller voir Rupert. Alia va mieux. Elle se repose. Elle va avoir besoin de temps pour récupérer. Merci encore, Crane. Ma femme ne devrait pas tarder à arriver. Et je sais que ces gosses sont fatigants. J'imagine que tu as hâte de partir. Pas tout de suite. Mais... T'es pas tu faire une course à Alia. On n'a pas beaucoup de provisions. C'est trop de responsabilités pour une seule personne, Rupert. J'ai demandé des renforts. Ils vont pas tarder. C'était pas la peine de faire ça. Jasmine et moi, on peut gérer la situation sans problème. Bon, elle m'énerve, la chantonnée, l'autre. J'étais au sous-sol. Ouais. Oh. Je vois. Je suis désolé. Ces bruits qu'on entend. Parfois, j'ai l'impression d'entendre sa voix. D'accord, c'est sa femme, en fait. Ok. Ah, mais attends, faut lui reparler. Je pensais que ce serait fini, maintenant. Merci. Mais je n'ai pas pu le faire. Ma femme. Ma Jasmine. On peut pas la laisser comme ça, Rupert. Je ne pourrai jamais lever la main sur elle. Je préférerais encore qu'elle me tue. On va s'en occuper de ta femme. Allez, vas-y. C'est grand en plus. Il y a quelqu'un. Jasmine, dis-moi, il est même à la maison. Jasmine. Oula! Ça m'a fait flipper la statue. Oh. Il y a rien à trouver là-dedans? Je sais pas. Jasmine. On reviendra doucement si on est au pas. Ah bah merde.
C'est moi. C'est... Non, non, c'était... non, non, c'était de l'autre côté. De l'autre côté, il y avait un autre truc. Là, ici, par contre, là, il y a un truc là. Et hop, 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 hop. Voilà. T'as fait quoi? T'as été un courant? Je sais pas, j'ai oublié. Attends, je vais peut-être pouvoir pousser l'armoire, ça se tombe. Peut-être un truc, pousser l'armoire ou non. Non, mais de l'autre côté, quand on est arrivé, vous êtes parti à gauche, mais à droite, vous pouvez passer. Il y avait un autre truc à droite. Wow. Elle est là, elle est là. Yes. Non, elle est pas là. Donc tout à l'heure on l'entendait comme si elle était collée à la porte. Ouh. Et là elle est enfermée dans un truc. Non mais attends, c'est quoi ce délire? Non mais attends, tout à l'heure on l'entendait comme si elle était juste derrière la porte. On est chercher les briques là. Et là elle est complètement à l'opposé, enfermée, tu sais. Ça n'a pas de sens le truc. Tu pourrais lui dire qu'elle fera plus de mal. Découper en petits morceaux. Le mariage, elle a juste rien à voir. C'est toujours la même d'ailleurs. Partout, dans toutes les maisons, c'est la même. C'est comme les chiens, ça. Le petit chien. Ouais, c'est comme le chien, ouais, ou le chat. Pareil. Et oui, ils avaient tous le même chien et tous le même chat. Bah oui. Ils ont acheté un prix de groupe. Ils ont tous acheté le même. Ouais, ou c'était le même et ils sont échangés. Voilà, c'est ça. Tiens, vas-y, j'ai pas un qui meurt qui récupère l'autre. Tu l'as trouvé. Tu as réussi à l'aider. Elle repose en paix à présent. Merci. Oui. Merci pour elle. Merci pour moi. J'espère que j'arriverai à me pardonner pour ce que j'ai fait. Ou plutôt, ce que je n'ai pas fait. Ok. J'en ai marre de la flûte, ça y est, je tiens plus. Ah, attends. Qu'est-ce que t'as vu ? Ah ouais, il y a une autre quête, la grossesse. Tu t'en vas ? J'ai pas le choix, mais j'ai des amis qui arrivent pour vous aider. Ils vont pas tarder. Et si le troll les attaque ? Le troll ? Il y a un troll géant sur le parking. Oh non. Il fait des tas de bruits horribles. Il nous empêche de dormir. Il va falloir que je m'en occupe alors. Un troll a rien à faire dans un parking, pas vrai? Rien du tout. Oh enculé, j'ai pas envie. Difficulté difficile. On passe de facile à difficile, super. Ouais mais ça va aller vite. Ouais oui, c'est juste un troll. C'est juste un troll, on va se mettre aux pompes. Ouais j'aime bien, c'est juste un troll. C'est sûr qu'il y en a qu'un seul. Au maximum deux sur les parkings. Un ou deux. Ou par moment t'as les trolls et les petits avec les grosses masses là. C'est quand il y a pas l'autre qui explose là ça. Ouais mais ceux avec la masse ils sont chiants parce que même quand t'esquives et que t'es à 10 mètres du type, il arrive à te faire tomber quand même. Attends, y'a un câble juste au-dessus là, nickel. Salut! Bonjour. Ouais, mais il vient sur nous en plus. Il est où le troll? Nous voilà tranquille. Derrière vous. Là, ça! C'est ça! Ah bah voilà. Ouais. Et bah tu vois, il est encore plus grand que ça, mon follow. Ah ouais, ça c'était pas où? Ça reste un petit ça. Voilà, y'en a plus. Et là, je sais pas si tu vois là qu'il y a un plan là ici. Il y a un troll de moins 1. Bah, il y a un plan. On va fouiller le parc. Une seconde, je mets la batterie. Ouais, il y a un plan qui est ici, juste pendant la quête, donc je sais pas si c'est pas là. C'est vrai. Bon, tes amis sont arrivés, alors je vais ranger mon chapeau de magicien et rentrer à l'atelier. C'est-à-dire là. Bah, quelque part, je suis parti. Ok, je te retrouve là-bas. C'est quoi, c'est bien ? Pourquoi ? Ah, là peut-être. Attends, parce que peut-être quelle couleur. Ah, mais KX il a bugué. Bah non. Ah non, c'est Bubland qui a bugué. Ah merde. Bah pourtant, je vous vois tous les trois. Non, mais non, t'as bugué comme tout à l'heure. T'as bugué comme tout à l'heure. Attends, c'est pas la fenêtre.
Putain, on va jouer seul, bordel de merde. Il y a une porte à ouvrir dans l'endroit où t'étais là. Ouais, ouais, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Non, mais une porte bleue de l'intérieur, il y avait les crochets. Mais j'arrive pas à l'ouvrir. Bah, non. C'est chelou, ça. Oui, il y a les crochets, mais c'est une grosse porte. Ouais, ah, ouais, ça mène à dehors. Ça mène à dehors. Vous me couvrez? Je vais inviter Buburn. Ah, dis si tu y arrives ou pas. Ça y est, j'appuie sur ça. Bon, allez, on va retourner voir Rupert. J'ai pu revenir sans problème. Mais il était possible. J'ai pas fait un shot. J'ai fait rejoindre Gwen. Je me suis dit que peut-être que Gwen elle était programmée en ami uniquement. Ah ouais. Ouais, donc ça du coup pendant pendant qu'on joue, il va falloir faire gaffe à ça les gars. C'est... Ouais, si tout le monde n'est pas programmé en privé, n'importe qui peut venir rejoindre. Voilà. Bon, ouais, bien, là j'ai pu rejoindre Gwen sans problème, tu vois. Mais pourquoi il est à 4 km Rupert alors que normalement on était juste à côté? Il a déménagé. Ah, il s'était déplacé, ouais. Ah, il a parti à la parc. Pour la quête, c'est pour oh là là, oh là là là. Voilà, pourquoi la zone a été bleue, mais... Ah, je suis content, je suis plus jaune. Je suis passé vert. Oh non, c'est moi. Ouais, j'arrive. Il est là. Il y a du monde. Oh le bug, je traverse le mur. Pas de problème. Même pas. Oh je suis dehors. Sérieux? Non mais je suis dehors. Il y a un virulent qui est juste à côté de moi qui est en train de me celle-là cracher dans l'oreille. Me plaît beaucoup. Merci. Et je vais me faire taper. Voilà. En plus t'as un plan à prendre l'épée angélique. Ah oui mais vous êtes. Vous, ouais, il est super l'épée angélique. Vous m'avez pas montré où moi, c'est donc moi. Récupère, il va te filer un plan. C'est où? Ah oui, ok. Le mec là. Ah oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est le meilleur des plans pour moi. Ouais, il est plus angélique. Ouais. Ça va être la même fois, t'es angélique. Il y a un fusil de police camouflage. Deux, je crois. Oh, fusil de police camouflage. Alors. Le plan. Épée angélique, ça t'apporte 2 d'électricité et 2 de brûlure. C'est le meilleur. Ouais. Oh putain, je suis plein encore mon inventaire. Putain, personne. Oh, je peux même pas prendre le chien. Je modifie toutes les armes avec ça. Oh, il va me manquer des rouleaux d'adhésif et des piles du coup.